L'exercice consiste à tourner autour d'un objet. Dans cet exemple, nous allons utiliser un manche à air. Il faudra veiller à ne pas dépasser la hauteur du mât. Il faudra ne pas trop s'en éloigner. Nous allons éviter de trop nous approcher du mât. Le déplacement se fera latéralement, tout en contrôlant la direction du nez de l'appareil. Pour finalement poser de nouveau l'appareil au point de départ. On y va, et tout en douceur. J'augmente le collectif pour décoller. Pour ne pas reculer, je pousse le cyclique vers l'avant. Pour me déplacer à gauche, je le déplace vers la gauche, tout en compensant avec le palonnier pour maintenir le nez pointé vers le manche à air. Selon le sens où tourne et parle du rotor de l'hélicoptère, il risque de vouloir monter ou descendre. Je compense cet effet avec le collectif. Dans le cas de mon appareil, il souhaite monter et reculer, ce qui va le faire éloigner du mât. Je compense en baissant le collectif et en poussant le cyclique vers l'avant, tout en maintenant le déplacement vers la gauche. Par petite correction du collectif, du cyclique et du palonnier, je termine mon tour du mât. À vous de jouer, bon amusement.